OK, je fais lire les pages par le narrateur Edge. Je débute, OK. J'arrête ça à peu près à 10 minutes par vidéo pour pas dépasser 10-12 minutes. Suite après avoir rédigé les informations, j'ai fait lire toutes les rubriques de cette page par le narrateur Edge. Suite après avoir rédigé les informations, fais des vidéos de lecture. Pour ne pas faire des vidéos trop longues, j'ai tenté d'arrêter environ 10 minutes par vidéo. Le petit chiffre au début, c'est le nombre de secondes. Bonjour l'Anodois et l'Anodoise. Nous vous présentons un nouveau site qui va créer du travail autonome. C'est pour donner la chance dans l'Anodière. Pour les 3 ou 4 premières semaines du lancement du site, j'offre ces postes seulement dans l'Anodière. Je suis moi-même de l'Anodière. Après ça, tous les postes seront offerts à tous les intéressés, dans tout le Québec, car c'est l'agenda du Québec. C'est du travail qui va rapporter au moins 20 $ de l'heure, même plus que 20 $, quand vous serez habitué à ce travail. C'est un site d'abord pour aider aux activités. C'est un site qui va donner du travail à des gens de toute situation, à des jeunes comme à des anciens jeunes. Je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des postes. Vous pouvez travailler sans jamais avoir à investir d'argent, en empruntant vos fonctions pour 30 jours, en investissant pour faire 30% plus de profit. C'est un grand champ d'emploi autonome, ce site-là. OK. Les postes que je vous offre présentement, c'est les postes d'administrateur du site. C'est pour ça que je les offre dans l'Anodière avant. Mais là, je parle après ça qu'il y a des postes, autrement dit, qui vont donner du vrai à des jeunes. Il va y avoir des vendeurs, il y a plusieurs toutes sortes de postes. Mais les premiers postes que je vous offre, c'est des postes administratifs. Je continue avec la première rubrique. L'Anodois et l'Anodoise, nous vous offrons du jamais vu. Cette page est pour vous informer de nos nouveaux postes et surtout pour vous donner la priorité d'un de ces postes. C'est un nouveau site dont tout est fait pour donner beaucoup de travail autonome et payant. Je suis de l'Anodière, j'offre nos premiers postes d'abord aux gens de l'Anodière. Suite au clic sur le lien trouvé sur le site de la municipalité ou dans l'infolettre que la municipalité envoie, vous êtes rendu ici. C'est que j'ai envoyé, si vous avez ouvert cette page-là par l'Anodière, c'est que j'ai demandé aux municipalités et aux médias de l'Anodière de vous envoyer le communiqué pour l'information pour donner, offrir les postes d'administrateur dans l'Anodière. Je continue. OK, la vitesse est bonne. OK. Alors, bienvenue dans cette page. L'idée de cette page est pour vous offrir du travail autonome ou à salaire. Nous débutons un nouveau concept, une nouvelle idée, c'est du jamais vu. Je suis moi-même, un Anodois, natif de Saint-Gabriel, et j'habite à Saint-Charles-Borromée-Joliette. J'avoue tout de suite, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé ce projet. Je vous dis cela que ça fait plusieurs mois, car il y a plusieurs et plusieurs idées dans ce site. Je n'aurais pas été capable de tout penser à ça en 3 ou 4 mois. Je vous le dis tout de suite, je le redis souvent dans mes pages, c'est un très beau et très gros projet, j'ai bien confiance. N'ayant pas d'expérience en gérance de site internet, j'ai fait une version de ce site, puis une autre version, même une troisième, et quand la pandémie est arrivée, une quatrième version. J'ai changé et rechangé d'idée, comme on dit. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. OK, je continue à la deuxième rubrique. On continue. Fait que c'est un site qui va être très gros. Vous allez voir, c'est très gros. Fait que je peux créer, mettons, une centaine de postes d'administrateurs, de 50 à 100 postes d'administrateurs dans l'Anodière. Je commence à expliquer ce projet d'abord. Qui êtes-vous? Êtes-vous du genre à être suiveux ou être suivi? Êtes-vous une personne qui allait prendre les devants, un meneur d'équipe? Ou préférez-vous plutôt travailler en suivant les recommandations des dirigeants? Peu importe votre réponse, nous avons un poste de travail autonome à vous offrir. Nous avons un poste de travail autonome à vous offrir. Que vous soyez un ado, peu importe qui vous êtes, nous avons quelque chose pour vous, pour passer le temps et pour faire de l'argent. Vous avez déjà un emploi, vous voulez un revenu supplémentaire, ou bien vous ne travaillez pas présentement. Même vous n'avez même pas songé à travailler, car déjà selon vos occupations, votre situation vous est confortable. Nous vous ouvrons les portes d'un grand champ d'emploi autonome. Mon nom, c'est Grand Champ, c'est-à-dire que j'ouvre un grand champ d'emploi autonome. Je change de rubrique. On continue. C'est possible pour plusieurs raisons. Pour aider aux activités. Pour aider au commerce. Pour aider aux organismes avec ou sans but lucratif. Pour aider toutes les personnes, de la naissance au repos éternel. Pour aider à avoir plus de visites sur tous les sites du Québec. C'est un site fait. Spécialement fait pour que tout le monde s'en serve, pour faire de l'argent, comme si le site leur appartenait. C'est rare ça, c'est du jamais vu nulle part. Par 041. OK, c'est un site, tu m'as dit, qui va donner des. Qui est fait que tout le monde peut s'en servir sans avoir à. Il paraît comme si le site leur appartenait. D'accord, je continue le suivant. L'agenda du Québec, c'est un grand champ d'emploi autonome, seulement pour des gens nés entre 1915 et
2010. C'est possible pour donner. Du travail autonome, environ 95%. Du travail à salaire, 5%. C'est possible pour donner du travail. À temps partiel. À plein temps. C'est possible pour donner du travail. À des jeunes. À des étudiants. À des mamans à la maison. À des personnes ayant un handicap. À des personnes en convalescence. À des anciens jeunes, des retraités. Même à des itinérants, s'ils ont un cellulaire. Par toutes nos sortes de postes, c'est vraiment un grand champ d'emploi autonome. On a mis des fonctions, on a mis des postes, créé des postes pour être capable de donner de l'âge à tous les gens, peu importe la situation, même les itinérants, s'ils ont un cellulaire, ils peuvent faire 3 ou 4 $ par activité qu'ils vont publier. On continue. Comment aidons-nous aux activités? Pour aider aux activités, d'abord, nous publions gratuitement les activités sur notre site, l'Agenda du Québec. Ensuite, encore pour aider aux activités, je peux dire que c'est du jamais vu. Nous envoyons un courriel contenant une invitation à participer à chacune des activités publiées sur l'agenda du Québec qui auront lieu dans les 10 prochains jours. Quand je dis « nous envoyons », nous, c'est vous que je veux dire. Vous, c'est la secrétaire publiciste ou l'un des 5 adjoints du secrétaire publiciste. Publiciste. L'équipe du secrétaire publiciste m'a envoyé une invitation rédigée en 2 lignes pour chacune des activités qui auront été publiées sur notre site. On publie gratuitement les activités. Puis on va envoyer un courriel d'invitation pour chacune des activités. Ça veut dire que s'il y a 30 activités par village, s'il y a 20 villages, mais ça veut dire que c'est 600 activités, 600 invitations qui vont être dans le courriel. Le courriel ne sera pas si long que ça parce que ça va être des liens. J'explique, je continue. Au début, quand j'ai commencé à faire ce site, je voulais publier seulement une section pour les activités et une section pour les annonces placées. La pandémie m'a assis. Suite à la pandémie, j'ai décidé de refaire faire le site, refondre du site. J'ai eu affaire à au moins 4 entreprises. C'est que j'avais déjà commencé une version. À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai été travailler ces camions. Puis avec la pandémie, j'ai décidé de refaire faire le site. Entreprise de conception de site. D'un concepteur à l'autre de ces entreprises. J'ai eu affaire à au moins 4 entreprises de conception de site. D'un concepteur à l'autre de ces entreprises. J'ai eu de nouvelles idées que je n'avais jamais pensées avant. Au lieu d'être juste un site d'annonce classé, ce sera un site de différentes sections d'annonces. Avoir continué, comme ma première idée, seulement un site d'annonces placé, il y aurait seulement une ou deux personnes, des chefs d'équipe, à développer des annonces, dans tout le Québec. Suite aux idées, aux affaires que j'ai apprises des programmeurs, l'extension des idées a débuté là. Nous aurons au moins 62 équipes dans le Québec. Oui, j'ai bien écrit 62 équipes, et non 62 équipiers. Toute une amélioration, suite aux idées que j'ai eues, à avoir côtoyé ces concepteurs de sites, car le site se développera, dans tout le Québec, non seulement avec deux chefs d'équipe, mais avec 62 chefs. Est-ce que vous seriez des chefs? Remarquez que j'offre les postes en premier dans la lotière. Ces postes-là, c'est les postes administrateurs. Si j'avais eu juste les annonces classées comme j'avais voulu faire au début, mais il y aurait eu un chef pour les annonces classées. Un chef à développer pour le Québec, il n'aurait pas été capable de faire autre chose. Fait que là, j'ai 18, au moins 18 sections d'annonces. Ça veut dire 18 chefs, plus les autres chefs, autrement dit, de différents. En étant, mettons, si vous prenez un poste de travail administrateur, vous allez être un chef d'équipe travailleur. À la tête d'une équipe, ça prend un chef. La Naudière est dans le Québec. Quand je dis « ça prend un chef », ce sont des postes de travail possibles partout dans le Québec. D'abord, la Naudière est dans le Québec. Comme je mentionne, je veux donner ça surtout dans la Naudière. Fait que notre OAR, c'est un site qui va rassembler les gens. C'est possible pour rassembler. Par les municipalités, par les associations de la même organisation, par les catégories d'activités, rassemblées par les villes, rassemblées par les dates, rassemblées par les codes postaux et par 11 autres critères. En étant dans autrement dit, il y a une liste, par la liste, ils peuvent savoir rassembler de plusieurs manières-là. Tous nos sites, autrement, toutes nos annonces, il y a un relais vert. On n'est pas là pour nuire aux autres sites, on est là pour leur emmener de la visite. Nous sommes relais verts. Nous ne sommes pas en compétition avec les sites du Québec. Au contraire, nos relais vont ouvrir leur site. Dans toutes les publications, événements et annonces, il y a deux relais. Les relais, c'est en copiant les URL des sites, l'adresse web. Relais vers tous les sites des organisateurs d'activités. Relais vers tous les sites des entreprises qui auront une annonce sur le site. Relais vers tous les sites des municipalités. Et encore d'autres relais. Combien de sites n'ont jamais été ouverts par les membres d'une association, par les citoyens d'une municipalité, et combien encore?
Nos volets vont ouvrir tous les sites qui auront une activité ou une annonce sur l'agenda du Québec. Fait que souvent, il y a des sites, des municipalités ou ben, dont des associations qui n'ont jamais été ouvertes, avec, en ayant une activité de publier, ben, les relais vont faire ouvrir leur site. Leur site à eux autres, les publications sont encore plus belles que sur notre site. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça va leur amener des visites sur leur site. Rencontre. L'Agenda du Québec, c'est un site pour aider aux activités. Nous publions des activités gratuitement. Ensuite, nous enverrons un courriel d'invitation. Une invitation pour toutes les activités qui auront été publiées sur notre site. Ça va donner de la visibilité à toutes les activités. Le courriel d'invitation sera un peu comme un circulaire pour annoncer les activités, mais envoyé par courriel et non en papier. Donc, les activités vont faire rencontrer les gens. Les activités favoriseront les rencontres entre les participants aux activités. OK. Fait que je vais continuer dans la prochaine rubrique, le fonctionnement du travail. OK. Fait que le site, ça va faire rencontrer les gens. C'est comme un genre de circulaire qu'on va envoyer. Fait que si vous voulez prendre le poste de secrétaire publiciste, ça va être très payant. On va continuer la prochaine vidéo.